Merde, attends. Vous avez rapporté quelque chose. Une clé. Ah, la saloperie. Putain. Certaines clés ouvrent les portes de la perception. Mais oui, on avait récupéré mais des clés. Ce n'est pas l'une d'elles. Celle-ci est plus commune. Putain, mais elle m'a fait peur. Utile. Est-ce que je regarde, je fixais ce truc-là, je me dis merde. Ouvrez-en un. Son contenu aura plus d'utilité entre vos mains. Ok, on va en ouvrir un. Ah, on en a moins que dans le premier. Hein. Dans le premier, on avait environ deux fois ça. Alors du coup, est-ce qu'on adopte la technique comme Evil Within 1, c'est-à-dire qu'on commence par en haut à gauche et qu'on les... Ou alors on fait au pif. Est-ce qu'on fait au pif? Bah attendez, on est le combien là? On est le 14. Ok, on va faire le 14e. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok, c'est lui. Boum! 10 poudres à canon, parfait. J'ai une deuxième clé, du coup on va... Je sais pas, allez, la première. Munition, je prends. Parfait. Et il m'en restera 4, du coup, ici. Ok, très bien. Merci, Betty! Allez, on va retourner dans cette ville. Et donc, on devait aller à l'église, putain, souvenez-vous. On devait aller à l'église, voir ce qui se passait là-dedans. C'est ce qu'on va faire directement. Let's go. Alors là, on fait gaffe, hein, parce qu'on est vraiment... dans un endroit très hostile. Ouais, on va aller voir l'église, les Crows. Allez, on devait le faire hier, du coup on va le faire maintenant. Je vous l'avais promis. Et d'un autre côté, ça m'intrigue un petit peu, cette église là. Alors attendez, j'ai mon flingue, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, ok. On va garder le flingue. Let's go. Coucou Lily. Allez. C'est parti. Pardonnez-moi pour mes actes. Pardonnez-moi pour mes actes. Pardonnez-moi. Oh Seigneur, de grâce. Je sais que j'ai péché, mais pas ça. Pardon. Je ne ferai plus. Pardonnez-moi pour mes actes. Je suis désolé. Pardonnez-moi pour mes actes. Oh, hey. De grâce. Est-ce que ça va? What? Oh putain. Attends, ça va être un boss ça. Oh putain, je le sens bien, il va se lever ce con. Qu'est-ce qui t'est arrivé mon pote? Casti, fais gaffe. Une très bonne ambiance dans cette église. Attends. C'est pas fini là. Oh putain. Oh 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 oh. Oh oh. Ok. Oh. Ouh. On sort. Non, je peux pas. Ok. Ok. Y'a eu le prêtre. On a eu le prêtre. Ah mais ça s'est plutôt bien passé en fait. Ok, c'est bon les... Attendez, j'entends quoi, un grognement là? Du gel, c'est très bon ça. Allez hop. Alors du coup on peut directement sortir de l'église, mais je vais pas le faire. On va fouiller un petit peu. On dirait que le padre s'est pas laissé faire. Oh, une statue! Yes. Une clé. Yes. Alors, attendez. Une herbe, je prends... Donc ça, c'était le prêtre. C'était le vrai prêtre, en fait, celui-là. Putain, mais il a mal fini. Hein. Oh, regardez-moi ça. Bon, il y avait rien, en fait. Dans... Enfin, il y avait juste un prêtre, c'est tout, quoi. Putain, je m'attendais à un truc de ouf. Je crois qu'on a tout fait, hein. Ah, attendez, là. Poudre à canon, nickel. Bon, bah on va sortir. Allez, c'est parti. Putain, il y a des bruits chelous, là.
Oh putain. Yes. Oh putain, les coups de couteau marchent carrément mieux que le 1. 500 gel, parfait. Bon du coup, qu'est-ce qu'on fait les crocs? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire là. On a beaucoup de choses à faire. J'irais bien au signal rebelle moi. J'irais bien au signal rebelle qui se trouve ici. Ouais, on va aller là les crocs. On va aller au signal rebelle. C'est à 100 mètres, on y va. C'est une quête secondaire. On va voir ce qui se passe. Mais j'ai tellement envie de visiter aussi genre ces maisons là, j'ai trop envie d'y aller quoi. Et si je fais ça, ça va durer des heures. Donc on le fera plus tard. On va déjà essayer d'aller à l'objectif. Merde, je crois que je me suis... Oh putain, c'est ici. Attendez, y a pas de zombies qui me suivent? C'est bon. Oh merde. Putain. Oh, il bouge trop ça. Oh merde. Ok, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'ils font? Putain, ils se barrent. Attends. Vous avez peur de moi, les gars? Ok. Attends. C'est pas grave. Ils sont trop nombreux. Faire les dons, James. Ça peut être pire que ça. Et cette fois, on est mieux armés. Enfin, on sera quand même en train de récupérer les caches d'armes. Allez. Bon du coup c'est les deux Gugus là. Alors attends, le cache d'armes, du coup faut qu'on trouve le cache d'armes. Ah mais c'est peut-être ce putain de hangar, non? Attends. Ok, ouais, je crois que c'est le hangar. Alors je suis désolé, je vais péter toutes les caisses de ce jeu, hein, je vous préviens. Je vais tout péter. Ah, attendez. Ah, attendez. Je lance le protocole d'urgence Alpha 1. Tu sais quoi faire? Alpha 1? T'es sérieux? Les techniciens, rien à foutre, ils démerdent. On n'est plus avec les Marines. On n'abandonne personne, ça veut plus rien dire ici. Ça te pose un problème? Tu déconnes. J'attendais qu'une chose, c'était qu'on me lâche la bride. J'en ai marre de protéger des nerds et de faire comme une gonzesse. Parfait. Allez, on récupère les armes, on s'équipe et on fait le ménage. Bordel, mais c'était quoi? Quoi qu'ils puissent être, ils ont dû passer par là. À savoir où ils sont allés. Hein? Alors. Ah. Oh. Encore des signaux. Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes. D'accord, donc ça m'a mis deux nouvelles zones donc pour choper des armes. Ouais. Explorer les deux points de résonance. Ok. Bon, on va aller là. On va tenter là. On verra bien ce qui se passe. Let's go. Allez. On va passer par là, tiens. Il y a trop de signes, c'est abusé, hein. Opérateur de Mobius décédé. Pochette de munitions pour pistolet. Il y a tellement de trucs qui se passent, c'est incroyable. C'est long clou en acier, ok, composant, je prends. Ah, on peut aller dans le train, c'est... Ah bah non. Merde. Ouh. Oh. Merde. Enfoiré. Yes. Ok. Allons dans le train, les crocs. Oh la vache. Attention. On se concentre. Il y a du verre là. Tu as pris l'arbalète? Non. Elle est où l'arbalète, les crocs? J'ai oublié un truc. Oh, je sens que j'ai oublié un truc. Attendez. On back. Ah, il est là, l'agent de Mobius. Attendez, il est là.
Il a des munitions, lui. J'ai pas vu d'arbalète, en fait. Pochette à munitions pour pistolet. Pochette améliorée. Cette pochette de nylon sert à transporter des munitions supplémentaires. D'accord. Oh, bah oui. Bah oui. Ah, je prends direct. Regarde sur ta carte, elle est indiquée. Alors. Arbalète. Pièce de rechange. Arbalète. Ok. On va la choper. On y va. Il y a trop de trucs dans ce jeu, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, on va choper l'arbalète. Allez. Oh! Non. Oh merde! Oh, c'est énorme. Putain, j'arrive même pas à viser quand il est au ralenti. Non, mais c'est incroyable. C'est énorme. Oh, oh là, j'adore. Allez. Allons choper cette arbalète. 70 mètres, ça devrait le faire. Putain, il bouge encore, lui. Regardez. Alors, est-ce qu'on peut passer ici? Oui. Oh, c'est tellement grand, putain. Allez, on y va. Bon, et là, il y a des zombies. Je vais contourner. Pas faire le con, hein. À pas faire le débile. Arbalète sentinelle. Ah, bah la voilà. Allez, on y va. Attention. Attention. En fait, j'ai pas envie de gâcher mes munitions. C'est ça le truc. Oh, bah alors toi. Merde, Non. Je vais pas ouvrir la porte là. Tant pis. Alors, l'arbalète est là. Attention, ça sent le boss. Non? Attends. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un de ces trucs. Oh! Yes. Alors là. Alors, LT maintenir visé, ok. Donc, RT c'est armé. Ok. Relâcher, c'est tirer. Changer de carreau. Très bien. Carreau électrique. Ok. Ok. Bon, alors ça va être mon arme, ça. Ah, regardez, il va y avoir un boss, non? Attends. Oh putain, la voiture. Oh non. Oh non. Alors, du coup, là... Oh! Énorme. Et ouais, les gars. Oh, les cons, ils sont encore vivants. C'est une blague. Ils sont encore vivants, les creuses. Wow! Saloperie! Wow, ça sent la première mort, attention. Ça sent la première mort. Ah merde, putain, je devais recharger. Wow, c'est chaud là. Crevé, putain. Ah, c'est bon. Oh, fils de... Mais putain, mais il crève pas. Bonsoir, Azur. Bon, les flèches électriques, c'est de la merde. Je pense que ça sert juste à s'échapper, en fait. Donc tu balances ta... Ça doit être ça. Tu balances ta flèche et tu te barres, en fait, tout simplement. Ouais.
Faut qu'on se barre. Il faut qu'on se tire. Oh les cons. Faut que je rentre dans un bâtiment les causes. Faut que je rentre dans un putain de bâtiment. Ah. Mais non merde, j'ai utilisé une trousse. Oh le fils de pute. Putain il m'a fait peur. Oh. Oh. Oh mon cœur, putain, et la musique qui s'enclenche là. Oh le con. Bon du coup j'ai niqué une seringue, j'ai tellement flippé que j'ai appuyé sur tous les boutons. Ça m'a fait niquer une seringue, fait chier. Ok, celle-là on peut pas la péter. Bon, on va aller sur le toit là. Bon, je sais pas comment... Je crois que j'avais vu un escalier. Ouais, elle est là, escalier, c'est bon. Il y a un truc qui brille là-bas. Hop, ici il y a des caisses. Désolé, je vais tout faire hein, avec vos... Je vous l'ai dit, hein. Je joue comme si je jouais tout seul. Hein. Je rush pas le jeu. Il y a un petit chemin là-bas. On ira peut-être après. Centre d'information d'Union. Ah, l'échelle est là. Attendez, est-ce qu'on peut rentrer ici? Non. Bon bah directos sur le toit. J'espère qu'il y a un bon truc. Toshi, on va te donner des cours de gestion de la panique parce que c'est plus possible. Non mais c'était flippant là, putain. Ok, il y en a une là-bas. Je vais utiliser une bouteille. Non, passe pas par là. Mais t'es conne. Mais non. Putain. Fils de pute. De pute. Putain, ça l'a pris. J'ai plus de munitions. Putain. Eh, le jeu est hardcore, c'est ouf. Le jeu est hardcore. La vache. Ah, il y avait un croc, j'ai vu, ouais. Alors. Balle de fusil de précision? Mais je l'ai pas, le fusil de précision. Oh! Oh putain. Ah merde, il est cassé. Ce fusil de précision est dans un sale état. Il serait possible de réparer avec les pièces adéquates. Mais son propriétaire précédent n'est plus vraiment capable de dire où elle se trouve. Ah. Le canon est foutu, mais elle reste à l'air intacte. Il va falloir que je trouve des... Journal du communication Mobius, pièce de rechange. Une transcription d'un échange trouvé sur le communicateur. Nous sommes sur le toit du bâtiment à côté du centre d'information. J'ai explosé le canon de mon fusil. Je donne une pièce de rechange maintenant. Les pièces sont dans le cabanon en face du garage d'Union. C'est au nord-est de la ville. Putain, faut retenir, hein, c'est chaud. Ok, nord-est. En haut à droite. Dans une grange, en face d'un garage, juste à côté de la faille. Sérieux, je vais pas, trois petits points. Je me fous de savoir où elles sont, apporte-les-moi avant que les choses se trouvent. Avant que ces choses me trouvent. Bon, bah moi, on sait où ça se trouve. Nickel, on sait où ça se trouve. Oh putain, j'ai un sniper, les crows, attendez. C'est énorme. Allez, direction... Le point de résonance. Let's go. Toshi, on voit pas ta vie et ton endurance. Il y a moyen que tu mettes ta cam de l'autre côté. J'ai une technique, regarde. Hop. Voilà, là tu la vois. Tu mémorises. Et hop, je reviens. Mais ouais, je sais que c'est chiant, mais en fait le... Bah ça a été fait comme ça. Du coup c'est chiant de changer de sens. Là dites-vous que je suis full vie. Oh là, attention. Attention. Alors là, je vous parie 10 euros, même 100 euros, je vous parie 100 euros, que je vais avancer, et les pieds ici vont vont partir vers la gauche. Attention.
Oh putain. Je me trompe jamais dans ces trucs là. Non mais hey, on dirait, on croirait tellement. Franchement regardez, tu vois ça. Tu rentres dans une cabane, tu vois ça. Tu te dis, obligé, le corps va être traîné vers la gauche. Eh ben non, c'est le fail. Donc voilà les balles de flingue, c'est parfait. Nickel. Attention, attention, c'est pas fini. Je me méfie là. Une espèce de garage sombre là. Allez, on va aller là-dessous. Putain, j'ai trop peur. Ok, c'est bon, y a rien. Ok, ok, nickel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pièces, je prends. Un établi. Non, on va pas lui... Ah, quoique... Attendez. On peut se refaire des balles si on veut. Ouais, non. Ah, on peut se faire un carreau harponneur. Ça, on va le faire, par contre. Ouais. Hop. Parfait. On se casse. On se casse. Bon, les crocs, si vous voyez un garage avec une cabane en bois juste devant, vous me prévenez dans le chat. C'est la pièce de sniper, très important. Encore un signal. Mais c'est abusé. Tu fais 2 mètres. Attends. Tu fais 2 mètres dans le jeu. T'as un signal. Ah, c'est ouf. Regardez. Hop. Balle de pistolet encore. Ok, le corps est juste là, ça va. Non mais tous les 2 mètres, il y a un corps quoi. C'est abusé. Allez, donne-moi tes balles. 3 heures de live ce soir, j'aimerais bien, mais je peux pas, Kaichou. Ça sera encore une fois 2 heures. Jusqu'à 23 heures, je peux pas faire plus. Malheureusement. Mais je vais essayer de vous faire un live par jour, hein, sur Evil Within. Un live tous les soirs. Fermé. Oh, je savoure tellement le jeu, je suis désolé Crozin. Peut-être qu'il y a... C'est quoi ça? Il y a un bruit de... C'est quoi ça? La voiture elle bouge. Ok, il y a un truc dans la caisse, je m'approche pas. Ouais, je disais, je suis désolé si vous trouvez ça lent, ma façon de jouer. Mais voilà, je savoure. Je ne rush pas du tout le jeu. Je vais essayer de tout faire. Ah, attendez, parce que la voiture a bougé là. C'est quoi ce bordel? Pourquoi cette voiture a bougé? À tous les coups, il y a quelqu'un dans le coffre. Attendez. On fait gaffe. Mais non, non, on peut pas ouvrir les coffres. Je sais pas. Vous l'avez vu, hein? Je suis pas fou, la voiture bleue a bougé, hein. Oh, oh mec, non! Ah, oh, désolé, mon pote, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'avais le temps, mais les munitions sont très rares dans ce jeu. Je peux pas me permettre de te sauver. Je suis désolé. Oh, on peut jouer le klaxon. Merde, on a joué les klaxons, pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi l'utilité là? Attendez. On va le refaire. Ah ok, ça les attire devant le bus. C'est bon ça? Du coup ça va me permettre peut-être de passer. On dirait bien que oui. Perfect. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là, il y a... Attention. C'est bon. Le mec, il stresse pour que dalle. Il voit un corps et il en stresse. Oh putain, c'est quoi cet endroit là? Attendez, on est où là? Une espèce d'usine là. Est-ce qu'on la fouille? Moi, je suis d'avis d'aller la... D'aller la fouiller. Si c'est ouvert, bien sûr. Un live par jour, on est tous morts et nous voilà au paradis. Bah non, mais oui, je pense faire un live par jour. À part les soirs où je suis pas disponible, mais ouais, je pense. Je pense bien les crozes. Bienvenue Bilal Winneris. Bienvenue, bienvenue. Merde. Il faut que je rétablisse le courant des portes. Peut-être que ce câble me conduira à une source d'alimentation. Oh, des crozes encore. Regardez, vous m'attendez. C'est énorme. Allez. Ok, donc il y a un câble en haut. Là, il y a de l'essence, on fait gaffe.
Oh putain, il y a des bruits là. Oh là 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 là. Oh putain, ça c'est bon ça. Oh ça c'est bon ça. Oh ça c'est bon ça. Oh. Et j'ai intuité là, je me suis dit, il y a une flaque d'essence, je vais tirer dedans. Ah c'est putain, c'est énorme. C'est bon à savoir ça. Très très bon à savoir. Attendez, attendez, vous avez vu ça? Attendez, on vient d'avoir un signal. Elle arrive, les murs ne l'arrêteront pas. Les portes ne l'arrêteront pas, rien ne l'arrêtera. Écoutez, écoutez. Elle arrive. Vous avez entendu le rire? Ok, donc là, là, le... Eh, hey, ce signal-là, à mon avis, va falloir s'accrocher, hein. Bon, je vous promets qu'on ira à ce signal pendant ce live. Allez, putain, regardez. Énorme. Attendez, non, c'est pas là que je veux aller, c'est pas là. Remonte. Ah, le signal est là, putain, ça va être chaud. C'est bon. Ouh. Vite, 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 vite. Yes. J'espère que ça a marché. Mais oui, ça a marché. Ça... Putain, hé, on est à 7000 gels déjà. Ça va super vite en fait quand on fouille. Quand on fait vraiment gaffe. Ça peut être très rentable hein, de fouiller. 7000 gels. Ok, on y va. Ça va, il me reste pas mal de balles. Là, je le sens moyen. Là, je le sens vraiment moyen. Oh putain. Cette espèce d'usine là. Putain, c'est Nathan Drake. Bah, qu'est-ce qui s'est passé, Nathan? ?500 gels, mais c'est énorme. T'as un mec qui tombe devant toi, tu fais que dalle, tu gagnes 500 gels. Non mais... Eh, où va le monde là? 250 gels. Bon là par contre, attendez, parce que là, 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 là... Oh, vous sentez le danger? Est-ce que vous sentez le danger là? Renversez le baril. Ah, et ça renverse l'essence. Et si tu tires dedans, forcément tu prends feu. Oh, que c'est bien fait. Oh, que c'est bien fait. Ok, bon. On sait qu'on a mis une flaque d'essence ici. Si jamais il y a un monstre. Alors, mon petit doigt me dit d'aller là. Mais il y a une porte ici. Ok, donc j'ai pas le choix. Merde. Attends. Bon, je tente de tirer une balle. Ok. On peut pas péter cette planche là? Cet endroit sert à rien pour le moment. Va ailleurs. Bah, je sais pas, j'explore en fait. De toute façon, je peux pas y aller là pour le moment, je pense. On peut pas péter cette planche, du coup. À mon avis, ça c'est un endroit pour plus tard dans le jeu. Ouais. Bon, bah c'est bien. Au moins on a ouvert la porte. Oh là. Des rats. Oh oh. Shit. Bon, toi t'es bien mort, hein, fais pas le con. Il y en avait un de vivant.
enfoiré. Ça s'appelle un piège. On va rentrer là-dedans. Merde, je voulais pas frapper fort, désolé. Une nouvelle maison, complètement flippante. Est-ce que je peux fermer la porte? Elle me stresse, elle. Bon. Je la déteste, cette meuf. Ok, bon, on se concentre. Ok, il y a déjà un corps ici. Ça doit être la propriétaire de la maison. Dans les chiottes! Y'a rien? Non, c'est bon. Oh, yes, une seringue! Cool! On y va. Elle arrive! Les murs ne l'arrêteront pas! Ça, on connaît. Pochette à munitions pour pistolet. Nickel. J'irai après. Oh putain la vache. Non non tu déconnes là. Putain je sens que derrière le drap blanc là il va y avoir un truc qui va me sauter à la gueule. Non c'est juste la fenêtre, ok c'est bon. Il y a trop de lumière ici. Ok. Oh putain. Je crois qu'on va prendre notre temps pour lire. Journal de la femme. La dernière entrée du journal écrite d'une main tremblante. Il y a quelque chose dans cette maison avec moi. Je ne la vois pas, mais je sens sa présence. Je ne crois pas vouloir la voir. J'entends ces horribles choses dehors. Elles sont partout, j'ai peur de sortir, mais j'ai peur de rester ici aussi. Je tremble, mais ce n'est pas de la peur. Pourquoi fait-il si froid d'un coup? Tu déconnes. Il y a quelque chose dans la maison. Il fait froid. Oh putain la vache. Putain, Scarecrow, t'abuses. Putain, au mauvais moment, vous le faites exprès, c'est pas possible. Eh, vous le faites exprès, c'est pas possible. Putain, pile au moment où il faut pas, quoi. Merci en tout cas, Scarecrow. Merci beaucoup. Merci pour cette frayeur. Bah attendez, s'il y a des fantômes, ça serait une putain de nouveauté. Hein. Bah, je m'y attendais pas. Hein. Attendez. Est-ce qu'il y a vraiment un fantôme? Et ça veut dire qu'on peut pas... Wow. Oh, elle fait flipper. Raison. Ah. C'est quoi cette merde? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Elle est horriblement flippante, c'est un truc de dingue. Sébastien, écoutez comment elle me parle. Oh non, 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 non. Il est venu me chercher. Faut que je sorte d'ici. Oh oui, faut que je me casse vite là. C'est pas possible, je rêve. Non, là je rêve. La sortie. Oh ta gueule. C'est quoi ce truc? Oh, elle vient de traverser la porte. Je me casse. Oh putain merde, c'est fermé. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est partie? Putain. Oh. Eh, attendez, non mais c'est énorme parce que à la base, on rentrait juste dans une maison paumée dans la ville. Et regardez où on se retrouve. C'est ça que j'aime dans ce jeu. C'est vraiment ça. C'est voilà, tu te balades et bim, il se passe un truc de ouf. Non, j'ai besoin d'une carte. Ah putain, il me faut une carte, fais chier. On va devoir aller là où elle est rentrée. Oh là là, tu déconnes, mec. Ah, son chant là, j'aime pas.
En plus, elle crie mon nom. Elle crie mon nom. Elle fait Sébastien. Sébastiano. Elle est où la putain de carte? La putain de carte, je vous le dis. Oh, une photo. Oh, la carte. Je l'ai. Regardez la photo, c'est nous. C'est notre famille. Qu'est-ce que cette photo fout là? Je sais pas quoi faire. Faut que je me casse de là, je vous jure, j'aime pas cette ambiance là. Faut que je me tire. Ok. La porte est là-bas. C'est quoi cette horreur? Mais c'est quoi cette horreur? Je crois que j'ai jamais vu autant flippant dans n'importe quel jeu jamais fait. C'est un truc de ouf. Vite. Allez. Maintenant tu cours. Wow. Oh, attends. Oh, Gali, putain! Est-ce que je viens d'imaginer tout ça? Non. C'était... Merci, cette Gali. Chose, c'était la réalité ou mon imagination? Pour ce soutien moral... enfin, mental. Bon, on s'en est sorti du premier coup, hein, c'est cool. Alors, j'ai cru voir... Joseph. J'ai cru voir Joseph allongé sur un lit d'hôpital. Je suis pas sûr que c'était lui, mais il ressemblait. Ah, cool, on a une... Ah, on a eu une cartouche diapo. Ça, c'est cool. Relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil. Bon, bah nickel. Bon, on ira la lire dans le QG. Dans le petit QG. Bon. Du coup, j'imagine qu'on a fini avec cette maison. Ouais, bon, c'était pas mal, hein. Putain, franchement. Eh, si dans toutes les maisons, si on rentre dans toutes les maisons et que c'est comme ça, ça craint. Et ça craint un peu. Attention aux zombies, on sait jamais, là. Toujours une petite surprise à la fin. La femme est toujours là. C'est bon. Ouais, ok. Bon, bah on sort. Je check vite fait ici. On y va. Ah, c'était pas mal, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé là, franchement. Je crois que c'était le premier moment où vraiment j'ai flippé dans le jeu. Ouais. Bon, elle, je l'aime pas. On va laisser la faire. Parce qu'elle pousse des cris bizarres. Elle a l'air enrhumée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est enrhumé? Oh merde. Oh, je me suis foiré. Oh non. Combat de couteau. Non. Ah. Merde! Oh la 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 la! Oh putain, ce fail de compétition hors catégorie que je viens de faire! Oh putain, il était puissant celui-là! Oh la vache! Ouais, en plus, c'est les résistantes là, elles galèrent à mourir! Putain! Mais non, c'est pas possible! Quel chou! Parce qu'on adore les fantômes! Putain, vous me faites flipper, sérieux! Vous me faites trop peur là. Merci Kaichu. Merci beaucoup. Ah mais du coup elle a changé de sens. Du coup c'est à moi de me décaler ça le prix. Bon. Allez. Cette fois je me trompe plus. Donc qu'est-ce qu'on fait quand une... Quand un zombie est enrhumé les crozes? On lui fait ça. Voilà. Elle est morte? C'est bon elle est morte.
1200 gels, mais c'est un truc de ouf. 1200 gels, putain de merde. Et nouvelle pochette. Ah, c'est cool. Pochette à munitions. Donc on passe à 32 balles dans le flingue. Yes. J'adore évoluer dans, dans ce jeu, j'aime bien... Je sais pas. Il y a un petit côté RPG que j'adore, là. Bon, très bien. Bah, c'est bien, tout ça. C'est très très bien. Là, on va aller choper les cartouches de fusil à pompe. Et on n'est toujours pas allé ici, hein. Alors que c'est une quête secondaire, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Oh, je suis plein, tu déconnes? Attends. Ah, merde, je suis... Ah, mais je suis plein. Ok. Bon. Bon, c'est fait niquer. Il n'y avait rien d'autre, de toute façon. Non. Bah, je reviendrai une fois que... Une fois que j'aurai plus de munitions. Putain, si on revoit Joseph dans le jeu. Mais j'ai tellement cru que c'était lui, là. Il lui ressemblait vraiment beaucoup. Et c'est vrai que Kidman a dit... Au tout début, juste avant qu'on rentre dans le stem, elle a dit... quelqu'un vous attend et vous aidera là-bas. Oh, c'est quoi ça? Ok, la porte qui s'ouvre toute seule au calme. Là, ça sent mauvais par contre. Là, ça sent mauvais. Ah, mais c'est ça le garage, je crois. Attendez. Derrière, si toutes les caches sont... Résonance inconnue. Cartouche de fusil à pompe. Oh non, pas encore. Oh non. Ok, donc on va encore avoir une... Je crois que c'est juste là en plus. Non, c'est pas là, je sais pas. Non, c'est là. C'est juste là. Ah, mais on est juste devant, bah nickel. Bah du coup on va le faire, la quête secondaire, enfin quoi. Putain. Bon, du coup il y a encore un endroit avec un fantôme. Là, je sais pas trop. Ils sont pas très bons. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici du coup? La pause Toshi. Ah, vous voulez qu'on fasse une pause? On peut faire une pause de Crozier, pas de problème, hein. Vous n'avez qu'à demander, hein. Je suis à votre service. On est dans un garage. Et souvenez-vous, la pièce de sniper, c'était en face du garage, dans une cabane en bois. Pas moyen de récupérer du matériel si toutes les caches sont... Merde. Pas moyen de récupérer du matériel si toutes les caches sont envahies par ces choses. Oh, ça devrait suffire. Vous sortirez pas d'ici, mes salauds. James, ici Ryan, répondons. J'ai enfermé un tas de ces trucs dans la salle qui se trouve sous le garage. Je suis en route pour le centre d'information. James, tu me reçois? Merde. Il y a du matériel là-dessous? Putain, mon micro était coupé. Je suis J'avais pas vu. Eh, hey, le retour du de l'oubli de micro. Je disais, il faut que je réussisse cette putain d'énigme. Cette partie sera coupée au montage. Exactement. Cette partie sera coupée au montage sur YouTube. Ouais, je disais, il faut que j'arrive à résoudre cette énigme, mais c'est impossible en fait. 5. Ah mais si. J'ai juste à faire 2 fois 5. Je suis con ou quoi? Ah non. Bah merde. Ah non, il y en a 6 là. Ah mais c'est tout con. Bah voilà. Bah voilà. Ah d'accord, j'ai mal compté. C'est bon, tout va bien. Ouais, du coup je vous disais que on a un nouvel objectif, du coup c'est juste là. Et là, ce qui paraît, il y a un truc de ouf là-bas. Le mec a dit à la radio, tu vas pas croire ce qu'il y a ici, ramène tes fesses. Du coup, eh ben, on va y aller. Mais d'abord, regardez ici là. Le fantôme, les creuses. On a eu un signal juste là. Je pense qu'on va y aller. De toute façon, il y avait rien ici. Attends. Il y avait rien ici, hein. Non. Oh là, attention. Qu'est-ce que c'était que ce bruit là? Non.
Oh merde, non 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 non. Putain, elle est résistante cette saloperie. Allez, 1200 ailes pour moi. C'est gratuit, ça fait plaisir. Hop là. Du coup, ça sert à quoi de baisser ces trucs là? Un truc dans la voiture peut-être? Non. Attendez. Pourquoi? Ça sert à quoi de baisser ces... Ah, il y a une trappe en dessous, putain, j'avais pas vu. Attendez. Il y a une trappe. Vas-y, refais. Ah ouais, il y a une trappe, putain. Alors qu'est-ce qu'il y a en dessous aussi? Ça craint, non? Oh putain, non, 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 il fait noir là-dedans. C'est quoi ce délire là? Oh là là, il fait noir, attendez. Oh là là. Et les... Ok, là, il y en a pas. Bon. On va aller dans la trappe du coup. Putain, là je le sens mal par contre. Oh putain, il fait noir là-dedans. Oh putain, non. Il fait très sombre là-dedans. Ça sent mauvais. Il me reste 10 balles de flingue. On a un mort. C'est quoi ça? Pointe pas cette arme vers moi. On ne doute pas. Okay. Hey, je te cherche partout. Merde, John. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'étais pas censé voir ça. Je comprends pas. Oh, pointe pas cette arme vers moi. On est des potes, non? Allez. Je sais. Et ça ne fait que me rendre la tâche plus difficile. Arrête de faire le con. Désolé, John. Mais je dois le faire. Mobius ne tolère aucune erreur. Mobius? Mais de quoi tu parles? Oh, il y a des traîtres. Oh! Ah, c'est lui qui est mort du coup. Oh, il y a des traîtres. Il y a des traîtres dans l'équipe. Bon, attention. Oh putain. C'est bon. Du coup, ces caisses-là, on peut pas les péter. Non, elles servent à rien. Ok. Carte de sécurité d'Union. Ok. Il y a une carte, je sais pas quoi. Ah bah elle va servir à ouvrir les portes là, non? Attendez. Oh là, il y a... Putain, il y a du monde là. Un code. Ok, j'ai pas le code, laisse tomber. On a un code à trouver. Ah bah on l'a. Carte de sécurité d'Union. Cette carte de sécurité présente une grille de code d'authentification. Ok. C'est quoi? Code. Putain, ils peuvent passer là. Ils peuvent passer là. Fais gaffe. Bon alors attendez, parce qu'on a une carte. Alors déjà on est au secteur B je crois. Attendez, je vais regarder la carte. Comment je fais pour faire ça? Tac, inventaire sûrement. Ouais, ici. Celle-là. Ah je peux pas la... Putain, j'avais vu sur la carte il y avait B, je sais plus quoi. Ah mais non c'est ça, B34 ça doit être ça. Alors attendez, B34. Alors B c'est 58. B34, donc c'est 96 et 76. Logiquement, on va tenter 96, 76. Oh, 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 oh là là, quelle intelligence, putain! Incroyable! Allez, pièce d'attachée supérieure, c'est très très bon ça. Boum, 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 boum. Oh putain, il y a une. Ah, je suis deg, il y a une trousse de soins complète ici, je peux pas la prendre, j'en ai déjà une. Merde, tant pis. Ok.
On fait... Oh là, attends, ça sent l'arme là. On va avoir une nouvelle arme, je crois. Demande de broyeuse. À environ 14h30, le citoyen nanana, a pénétré dans les zones privées de Mobius et oui, capture. Demande de broyeuse à déchets au garage d'Union. Putain la vache. Ah, une nouvelle arme. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, une matraque? Carreau explosif. Ah, nickel. Vous pouvez fabriquer des carreaux explosifs en combinant des clous. Ok. Si vous avez déclenché, la tête de ce carreau arbalète explosera violemment en libérant des éclats dévastateurs. Ok, donc ça s'accroche au mur en fait. Oh, ça c'est bon. Ça c'est good. Il y avait rien d'autre? Non. Ok. Oh, ça sent la photo là. Attends, regarde. Je suis obligé de passer dedans, j'ai pas le choix. Je suis obligé de passer dedans, les causes. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Ça sent mauvais là. On va passer dedans. De toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Ok. Lui, il va se réveiller, non? Mais de pire en pire, je vous jure. Il a une hache. Oh, oh, il a une hache. Oh, ça c'est bon ça. Merde. Ok, c'est bon. Succès déverrouillé, éclaircir les rangs. Alors encore des cartouches de pompe, mais je suis plein. Putain, faut vraiment que j'utilise le pompe en fait. Ok. Toshi fait du Toshi. Ah non, mais là j'assure pas là pour le coup. Maintenant il faut qu'il sache s'en servir. Bah en fait c'est tout simple hein. Regardez, hop. Là j'ai mon arbalète, avec X je change les carreaux. Donc là il y a le carreau ordinaire, le carreau qu'on vient d'avoir, explosif, et le carreau électrique, voilà. Tout con, hein. Non, non, c'est bon, je vais la gérer, cette arme. Hein. Je vais la gérer. Mais je la prendrai vraiment en cas de vraiment de nécessité, quoi. Faudrait peut-être qu'on aille se mettre du gel, non? Parce qu'on en a 13 000, ça commence à faire beaucoup, putain. Oh, il y a beaucoup de caisses ici. Nice. Oh, il y a énormément de trucs ici, dis donc. Cool. Oh là 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 là, mais putain, on est gâté là, on est gâté. 7 balles de flingue. Ah non, 3 balles de flingue, je prends. Je parlais de la hache. Ah. Bah je l'ai bien défoncé avec la hache, n'empêche. Ah, et on sort comme ça, d'accord. Non. Sérieux? Sérieusement? Du gel? 300 gels? Attends, encore? Quoi? Attendez, il y a une couille là.
Quoi? Attendez, je peux le faire à l'infini? Attendez, y a une arnaque là, c'est quoi l'arnaque? Quand je tape, il se passe quoi? Je perds des munitions? C'est quoi le truc? Attendez là. Je suis en mode survie là, Gali. Attendez. Il y a une arnaque là. Ah, d'accord, c'est fini, ok. Putain, ça m'a donné 900 gels. Hein. J'aime beaucoup, mieux que le 1. Je kiffe, il est excellent, super jeu. Don't go. Oula. J'aime beaucoup, il est énorme. Autant le premier est un coup de cœur, autant celui-ci est plus abouti. Meilleur que le 1. Ouais, bah je pense exactement comme vous, les Crozons. Est-ce que c'est pour moi? Don't go. Avec le papillon que notre fille avait dessiné sur la photo. À l'arrière, je m'en souviens très bien, c'est le même papillon. Don't go. C'est-à-dire ne pars pas. Peut-être un message de notre fille qui essaie de nous faire passer des messages, je sais pas. Bon, là on fait gaffe, hein. L'horreur is back. Oh là, encore un mort. Oh putain. Un mort de l'équipe. Au ralenti avec l'appareil photo. Je reconnais ce style. Ouais. Encore lui. Ouais. Encore le photographe fou. Ouais. Laissez-moi partir. Regardez, il est là. C'est lui. Chance Ryan. Ok, donc on vient de trouver donc encore un autre équipe un autre membre de l'équipe de Mobius qui lui aussi donc s'est pris une balle entre les deux yeux. Putain, il a vraiment pas eu le temps de... Un appareil réglé pour prendre une photo de la victime. C'est vraiment malsain, putain. C'est vraiment malsain. C'est énorme, putain, c'est énorme. C'est censé être de l'art. Ça ressemble plus à une exécution. Ah, le pire, c'est que le mec prend ça vraiment pour de l'art, quoi. Pour lui, c'est vraiment de l'art. C'est un truc de dingue. Bon. Un autre communicateur. Sûrement celui de Ryan. Les agents de Mobius. Ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux. La dernière transcription enregistrée par le communicateur Turner. J'ai modifié mon communicateur pour capter les signaux des puces d'Union. J'ai réussi à localiser où se trouvaient les derniers membres de l'équipe de sécurité, ou du moins ce qu'il en reste. Ils doivent avoir des ressources, et quelque chose me dit qu'ils n'en auront plus besoin. Toutes ces puces émettent depuis des cerveaux morts. Alors, est-ce que ça va me mener sur une autre quête secondaire? Ouais, on dirait bien que oui. Je vais regarder ça. Oh là là, mais putain, il y a énormément de trucs. Ok, c'est ça. Hein. Attends, je crois. Ouais. Ça doit être ça. Bon, ok. Du coup, on a plus de quête. Explorer le centre d'information. Ah, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, regardez. En bas à gauche, mission. Explorer le centre d'information. Et c'est pas fait, c'est pas encore coché. J'ai peut-être oublié un truc. On va essayer de remonter. Oh l'enculé, c'est pas chier. Vrai, il m'a encore il eu. Il est passé. Oh putain, non. C'est une blague. Ah, fait chier, on s'est fait avoir encore. Putain, cette blague. Oh là là, je le sens trop mal. Oh. C'est la... Ouais, c'est la meuf à trois têtes du début.
Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? What the fuck? Oh, elle me regarde! Elle me regarde! Qu'est-ce que c'est censé représenter? Putain, c'est horrible. Alors là, je fais pas le malin, je vous le dis direct. Hein. Là, je fais pas le malin, les causes. Ah, fichier. Ah, merde. Allez, viens! T'es pas mort? Viens, salopard! C'est bon. Putain, j'ai cru que c'était la femme fantôme, là. J'ai flippé sur le coup, mais non, c'était juste des zombies. On a eu de la chance. Mais attention, c'est pas fini. Salut, Big Burger! Alors, du coup... Excite. Oh, ça va être trop simple, arrête. Non.